Putain, c'est fou mon GG. T'as lancé ton podcast. Putain, ça me trouve le cul, c'est génial. Et on fait tourner les serviettes. Putain, avec ça, tu vas nous procurer des années de bonheur. Putain, t'es comme moi, quoi. Moi aussi, je m'étais fait la tête de Bourville. Putain, qu'est-ce qu'on avait déconné. Tu leur en mets plein la gueule, hein. C'est pas du bluff. Mais c'est que de l'amour. Putain, faut que tu continues, hein. T'arrêtes pas, surtout. T'es pas un petit bonhomme, hein, mousse. Ouais, salut, c'est la Nadine. Dis donc, c'est quoi cette nouvelle chaîne de gauchistes? Les vraies infos, c'est sur CNews. T'as même pas les couilles de respecter le pluralisme. Toutes les sensibilités ont le droit de parler, merde! C'est donc aujourd'hui que tout le monde a décidé de me faire chier. Ils ne peuvent pas écouter les podcasts des BFN comme tout le monde, ces cons-là. Je commence à en avoir plein le cul de leurs grands airs. Bonjour, c'est Alain, on m'a demandé de venir, alors comme je dois bien l'avouer, je ne suis pas très occupé, on m'a demandé de faire de l'humour pour introduire les BFM. Oh, dis donc Gainette, tu as fait une tête. Et c'est depuis que tu as raté le tir au but, Mbappé. Ah, mon pauvre Gainette, l'important c'est qu'il nous reste le trésor des Choubérins. Mais tu pleures maintenant, Gainette? C'est pas moi qui pleure, Mbappé, c'est mes yeux. Tu fais quoi, Jean-Pierre? Ben, je regarde les infos sur CNews, hein. Puis après, celle de BFM TV. Ben, même avec un bon cacolac, c'est affreux, affreux, affreux. Bonjour à tous et à tous. Bonjour, monsieur El Kabach. 83 ans et encore au boulot. Vous êtes un exemple pour tous les Français. D'ailleurs, préparez-vous parce que c'est ce qui vous attend tous. Autrement, ça va nous coûter un pognon de dingue. Dis donc, Gérald. Pour la branlée régionale, t'essaierais pas de me faire porter le chapeau, des fois? Faut le dire tout de suite, hein. Il faut le dire, hein. Monsieur Dupont-Moretti, vous avez plombé la campagne. Vous nous avez fait perdre. Vous avez peut-être aussi buté le préfet Erignac et l'archiduc d'Autriche. Parce que moi, je terrorise les terroristes et je fais de grands sourires aux humoristes. Si vous voyez ce que je veux dire. Alors je vous préviens, pas de pantalonnade. Écoutez les BFN tranquillement en sirotant votre Ricard. 36-15 code Kinova pour les jeunes Kinova. Alors on est aujourd'hui avec mon gars Bruno. Alors Bruno, comment t'appelles-tu Bruno? Salut la compagnie, c'est le gars Nono. Comme vous avez pu le voir, je suis candidat à la présidentielle. Ah, vous ne l'aviez pas vu venir celle-là. On de là te raconte, on de là te se la raconte. C'est en plein été à la veille de Noël le 7 mai 2017 que le PS a disparu. Qu'en voyez-vous, ce début de campagne présidentielle, c'est abracadabrantesque. Ils ont tous peur d'un Gargamel miniature. Enfin, à chaque époque sa petite crotte. Salut madame, t'emmerdes pas avec les monsieur tapis, hein. Appelle-moi la burne, y en a une qui est hypothéquée. Puis pleure pas, je la fiote, tu vas mouiller mes mocassins. Bah ouais madame, j'ai fait comme Carlos Ghosn, je me suis fait la malle pour échapper au juge. Oh oui, bonjour, c'est Stéphane Bern, le bouffon des têtes couillonnées et des glands de ce monde. Mes chers compatriotes, c'est le cœur serré que je vous dis aujourd'hui qu'il faut cesser le combat. Ah non, surtout pas, maréchal, me voilà, je suis partout en ce moment. Mon blaze, c'est Jean Lassalle. Je suis votre béarnais préféré. Que dis-je, votre pic, votre cap, votre péninsule? Comme vous le savez, je suis candidat à l'élection présidentielle. Et qui de mieux qu'un berger du sud-ouest pour garder des brebis gauloises?